C'est devant une salle remplie de diplômés d'État de plusieurs éditions que Nicodème Bola, patron de l'agence de voyage Compagnon Agence Travel, a lancé l'ego du concours de bourses d'études internationaux devant permettre aux futurs lauréats d'aller étudier dans différentes universités d'Europe et d'Amérique. Pour Nicodème Bola, les soucis de cet investissement dans la jeunesse est de garantir à la RDC un avenir meilleur avec des futurs cadres de qualité. D'entrée de jeu, Nicodème Bola conscientise les différents candidats. Vous devez savoir que vous êtes venu ici pour un but. Ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour travailler pour votre avenir. Et pour le concours de vos études, ce n'est pas des aventures. Premièrement, vous devez travailler, vous devez la mériter. Parce que c'est un examen. Pour être parrainé, vous devez travailler, vous devez mériter, vous devez appeler à votre parrain que vous l'avez, vous devez la rendre heureuse. C'est confiance en soi. Enlevez la peur. Vous êtes venu ici pour réaliser vos rêves. Je vous fais confiance, les deux Congolais. La nation vous appartient. Les Congo, c'est notre patrimoine commun. Il suffit de poursuivre vos rêves. Il suffit d'enlever la peur. Il suffit d'avoir confiance en soi. Donc, confiance en vous-même. Parce que à bientôt, on va vous remettre des questionnaires. Émerveillé par cette initiative, un diplôme spécial a été décerné à Nicodème Bola pour son œuvre par l'ONG GJM. Au sortir de la manifestation, le patron des Compagnons Agence Travel revient sur ses motivations. L'objectif de ce concours est de construire un Congo à venir. Parce que l'avenir de demain, c'est l'éducation et c'est nos enfants. Donc, Compagnons Agence Travel, grâce à ces paternels qui nous ont organisé ce concours pour aider la jeunesse, ils partent à l'étranger pour étudier. On étudiait là-bas pour amener l'innovation dans notre pays. Nous avions commencé à travailler depuis 2009. En fait, dès qu'il arrive à l'aéroport, il y a une délégation qui est là-bas pour venir l'apprendre. Prise en charge est serrée grâce à nos paternels. Les rendez-vous est pris le jeudi 11 mars pour la proclamation des résultats du concours.